Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction de l'annonce de la nouvelle mise à jour qui sera donc le 28 janvier, dans 2 jours. C'est déjà pas mal. Et ce sera très court, hein, mais en attendant, ça fait une petite vidéo sympathique à faire qui prend pas 1000 ans au montage non plus. Donc, on va lancer tout ça. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est tellement mignon. Mais attendez, il y a des nouvelles... Il y a des nouvelles mimiques. Genre la danse, là. Non. Ça veut dire qu'on aura plein de nouveaux objets, du coup. Oh mon dieu. Mais regardez les habits aussi. Oh, je meurs. Je veux trop. C'est trop joli. Avec toutes les plumes, là. Mais c'est trop mignon. Et une update de Mario en mars. En vrai, il n'y a pas grand-chose, hein. Enfin, après, c'est une mise à jour pour carnaval, quoi, mais... Je pensais qu'on aurait des petits trucs en plus, quand même. Enfin, déjà là, si on a des nouvelles mimiques, si on a l'événement, si on a des nouveaux objets, des nouveaux trucs à attraper, ça peut être sympathique. Après, on s'attend à tellement de choses, genre, on voudrait tous pouvoir décorer le 4e étage, avoir une nouvelle pièce dans la maison, avoir plus de place dans les motifs, enfin, genre... C'est logique qu'on soit un peu tous déçus du coup, mais elle est quand même vachement cool la mise à jour. Mais elle me fume comment elle danse. C'est trop cute. Mais j'espère que les mimiques de danse là, on pourra les avoir pour tout le temps en fait. Enfin, je vois pas pourquoi on les aurait pas tout le temps, mais... Et du coup, dans 2 mois, on aura mise à jour de Mario. Ça, j'avais déjà vu passer il y a un moment, comme quoi on aurait toute une collection de meubles en collaboration avec Mario. Ça peut être très stylé, mais je me demande si on fait un truc en plus. Par exemple, un événement avec Mario ou un truc comme ça. Ça pourrait être super marrant. Imaginez Mario qui se balade sur l'île et tout. Bref, on va pas se faire de film. Du coup, cette vidéo était vraiment très très courte. J'espère que ça vous aura plu. Même si, en soi, c'est juste une réaction, donc il n'y a rien de d'incroyable. Mais écoutez, on se retrouve bientôt pour la partie 2 de ma chasse à l'habitant, du coup. Et à la prochaine. Bye.